En France vit une importante communauté malienne. Pour les parents et les amis restés au pays, il faut s'informer. Les récents événements font beaucoup réagir les Maliens de France. Anne-Christine Roth et Philippe Hernando se sont rendus à Montreuil, en région parisienne. Montreuil, en banlieue parisienne. 6000 Maliens au moins vivent ici. Alors, en ce jour de marché, la guerre au Mali, l'intervention française, c'est le sujet de conversation. Je suis vraiment contente pour l'intervention de la France. Parce que sans la France, aujourd'hui, depuis ce groupe terroriste, ils étaient déjà à Bamako. Du coup, il y en a d'autres qui se mobilisent et qui on avait besoin de ça, en fait, surtout. C'est une guerre pour la, vraiment contre le terrorisme mondial. C'est une guerre vraiment contre vraiment des fanatiques qui veulent imposer une culture vraiment pour le Mali et pourquoi pas au-delà du Mali, la sous-région et le monde demain. Dans ce foyer de travailleurs à Paris, les chaînes d'information tournent en boucle. Ici, on vit suspendu à la moindre nouvelle, à la télé, sur Internet, sans compter les coups de téléphone à la famille restée au pays. Je n'arrive pas à dormir la nuit et je pense la famille et les cousins, toute la amie, famille, connaissance. Et là, ça me fait vraiment flipper toute la nuit. Dans ce foyer, l'intervention française semble faire l'unanimité. Mais elle se teinte d'inquiétude. On a les familles là-bas. On a toutes les familles là-bas. En fait, une fois qu'il y a des problèmes, on ne parle plus du nord ou du sud, parce que ça concerne le Mali. On a peur, on a inquiété trop. Bon, j'espère que ça va terminer. Hein? Mais Dieu sait quoi. Certains s'interrogent déjà sur les conséquences à plus long terme de cette intervention. On est très heureux pour cela parce que ça a soulagé en partie notre population. Mais il y a quand même des réserves à émettre sur le fond. Au début, il était question que la France ne vienne pas avec des hommes au sol. Ensuite, il est question que la France vienne avec 500 hommes. Aujourd'hui, il est question qu'il y en ait 2500. Or, quand on met toutes les forces ensemble, forcément, il y aura plus de soldats étrangers au Mali que de soldats maliens sur la terre du Mali. La communauté malienne compte 120 000 personnes en France, des Maliens qui ont aujourd'hui les yeux tournés vers Bamako.